Welcome to my testing track. It's not the best looking thing in the world, but it'll do. Let's see if I can just get this door open and get us out of here. Okay, sorry, I can't help you with this testing track. All Astrocyte AIs have been programmed to not help with solving the tests. I can, however, test to see if everything still works. It's been a while since I fell off that management rail and plummeted down into that pit, so maybe some stuff broke in my absence. Checking the funnel. Working. Fizzler. Changing over. And toxic goo drainage pipe. Eaten away by toxic corrosive goo. Oh, lovely. That's not important. You can do this test just fine. I hope. She couldn't even open a locked door. C'est que je le récupère le cube en fait, j'imagine. Pour commencer. Ouais. Ah, ça ressort pas automatiquement. C'est pas cool. Ça complexifie pas mal le problème. Le problème, c'est que dès que je passe ça, mes portails disparaissent. Et que si le tube traverse ça, le cube disparaît aussi. Et en gros, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est créer deux portails. Ok, donc déjà, devant qu'ils soient là. Pour ramener en gros à travers le bleu le cube ici et le faire tomber devant pour pouvoir. Ah, comment je le récupère après? Ah, si, une fois que les deux portails sont créés, je peux me mettre là, comme ça, du coup, le cube peut traverser le portail. La question, du coup, c'est comment le faire monter là-dedans? Sans qu'il se casse la gueule. Je vais essayer de faire comme ça. Et c'est raté. Ah mais non, je peux pas être sur les deux en même temps, de toute façon je pourrais pas activer ça plus ça en même temps. What? Comment ça, il a disparu là? Ah, je me suis peut-être retourné trop proche de ça. S'il y a une cible, c'est pas pour rien. Ça me servira à la fin, je pense, une fois que j'aurai le cul. Ça, voilà, pour la fin, en gros, faudrait que je sorte avec ça. Mais là, la première question, c'est comment ramener le cube. Si je lui fais un trou en dessous, il va ressortir de la directe.
J'ai envie de réessayer quand même. Non. C'est même pas une histoire de timing, là. C'est vraiment pas possible, quoi. Ça se trouve, ça, c'est une feinte et ça sert à rien, mais... Ah, mais il y a une zone au-dessus, là, que j'avais pas vue. Qui n'a pas de barrière. Mais... Je pense qu'il n'y a rien qui va assez loin pour... Je vais essayer. Mais... Je pense pas que ça, ce soit au-dessus, quoi. Non, c'est pas au-dessus. Du coup, je pense pas vraiment qu'on puisse s'en servir. Est-ce que... Ah bah oui, putain. C'est bon. C'est super simple. Je cherche toujours trop compliqué. Enfin, c'est super simple, non, mais... Je pense que je cherchais trop compliqué, en fait. Sauf que... Sauf que là, je l'ai toujours pas, en fait. Oh merde! Idiot. Ah si, je pense que... Attends. Ce jeu ne fait pas du tout mal au crâne. Hein. So close but so far. Oh, la déception. Est-ce que ça sert à quelque chose qu'il y en a ici aussi? C'est peut-être que de la déco, hein. Mais je pense que si j'arrivais à le faire partir de plus haut... Ah mais là je suis plus en face. Parce que lui il est en face. Si j'arrive à le faire partir de plus haut, je peux peut-être désactiver le portail pour qu'il le traverse. Avec son élan. Et pour ça... C'est ce que j'essayais tout à l'heure de le faire partir de plus haut. Et ça ne marchait pas du tout. Ma tête. Si quelqu'un a une idée, hein, n'hésitez pas. Là, on a dit qu'il était pas au-dessus, hein. Du truc. Non, il est au niveau de ce truc de merde. C'est tellement frustrant, il arrive juste là.
Est-ce que je pourrais pas le faire passer ici sinon? Non, parce qu'en fait le problème, c'est que là vu qu'il y a un mur bleu, il pourra pas venir là. Putain, ils ont bien complexifié le bordel, hein, ces salauds. Putain, j'aurais testé un truc. Ça va être ça. Il va prendre un peu d'élan et va venir jusqu'à moi. Non? Si. Il y a moyen que ce soit ça en fait. Je vais essayer moi-même déjà. Théoriquement, on a la même physique. C'est tellement ça. Allez, mais retombe dedans par contre. Pourquoi il bloque comme ça là? Je vais essayer de le faire en restant là, comme ça je pourrais le relancer dedans à chaque fois. Ah mais non, il tombe vraiment comme de la merde. Donc c'est peut-être ça l'idée, mais en un peu plus compliqué. Parce que depuis tout à l'heure, je cherche trop compliqué à chaque fois. Il faudrait peut-être que j'arrive à le faire tomber de plus haut à la base, quoi. Genre en utilisant ces trucs de chiasse, quoi. Si je peux me permettre. Parce qu'en gros, avec un truc comme ça... Ah putain, c'est peut-être ça. Ah non, parce que le timing va être tellement dur à avoir. En gros, avec un truc comme ça, je peux le faire monter. Et donc après, faudrait que quand il tombe, dans le bleu là, j'ai fait un portail orange. Mais le temps que je passe de là à là, il sera tombé depuis bien longtemps. Alors, en principe, je vais essayer, mais bon, j'y crois pas trop. Un endroit où il peut aller plus haut, non? Ah mais non, parce que de toute façon j'arrive pas à le soulever. Ce moment où je vais faire un trou en dessous là, il va tomber.
Non, du coup, pour moi, le plus plausible, c'est vraiment ce truc-là, là. Allez. Come on. Effectivement pas. Working. Fizzler. Changing over. Et si je vous donne d'abord un peu de toxic goo drainage pipe. Eaten away by toxic corrosive goo. Oh, lovely. That's not important. You can do this test just fine. I hope. Ah, je vais essayer un truc comme ça. She couldn't even open the locked door. D'abord elle tombe, elle retombe une deuxième fois et la troisième fois je rapproche l'orange. Ah, voilà, fin. Il est en train de me rendre absolument fou là, cette personne. Est-ce que je dois continuer d'essayer ce truc qui a l'air de pas du tout fonctionner? Essayer de le faire fonctionner quand je suis là, comme je l'ai dit. Ah, le truc c'est que là je lui donne de l'élan en fait en faisant ça. Faut d'abord qu'il soit posé. Il me paraît trop approximatif pour que ce soit la solution en fait. C'est en haut là, mais... Non, j'aurais clairement jamais assez d'élan. Working. Fizzler. Changing over. And toxic goo drainage pipe. Eaten away by toxic corrosive goo. Oh, lovely. That's not important. You can do this test just fine. I hope. She couldn't even open a locked door. Oh zut alors. À l'aide. Cette cible là. Et je peux le pousser jusqu'à moi, mais pas en ayant le mur désactivé. Donc c'est pour ça qu'en fait, la solution d'utiliser ça, j'y crois vraiment pas du tout en fait. Même à moins que je l'amène en l'air et que je le fasse tomber. Mais le temps qu'il rebondisse, faudrait que j'aille là. Donc non, c'est pas ça. Donc je vois bien l'histoire.
l'histoire du saut là quand même. Ça me paraît être un des seuls moyens de lui faire passer la barrière. À moins que la technique soit de le faire passer au-dessus. Je vois vraiment pas comment quoi. Comme ça. J'en oublie le bouton. Je vais vraiment le mettre le plus haut possible, ça le plus droit possible. Et se prend les rebords. D'autres idées qui vous paraissent moins connes. Alors là, je l'ai envoyé de manière complètement hasardeuse. Même comme ça, il tombe dans la flotte. Alors que moi, je passe. Parce que là, tout à l'heure, je l'ai fait sans faire d'effort, je crois. Ah non. Je sais pas si le cube réagit comme nous ou pas en fait. Exactement. Working. Fizzler. Changing over. And toxic good drainage pipe. Eaten away by toxic corrosive goo. Je serais pas là pour le pousser dedans. Lovely. Donc, comme ça. That's not important. You can do this test just fine. I hope. Ah! Mais le temps qu'il fasse ça, du coup, je peux le faire attraper ce truc-là. Attends, ça me paraît très tordu. Genre, une fois qu'il est absorbé une première fois... Ok, j'ai peut-être une idée, mais ça me paraît vraiment hardcore. Et du coup, ça expliquerait pourquoi il y a un pont ici, au moins. Ça allait bien trop vite de toute façon. Je réessaye quand même. Le bouton. Ah merde. Bon, vous avez compris l'idée. Et comme ça, il serait en hauteur. Et quand il arrive proche, ouais, mais non, j'ai pas le temps de passer de l'un à l'autre. Oh. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Persiste à dire quand même que ce truc là ça devrait marcher. Parce que si là, en fait pourquoi est-ce que d'ici à là, il arrive à se jeter là? Du coup là il devrait juste se jeter plus loin quoi. Pourquoi il tombe comme une merde là? Alors que quand il est ici, il arrive à faire l'aller-retour. Ah merde, le mur est beaucoup plus loin, je suis con, tout simplement. Ok, mon mauvais.
Ça me rend fou, putain! Ah, ou alors... Ah mais je lui fais d'abord faire ça... Et après je le fais tomber de là, là-dedans... Ça me paraît tordu mais faut essayer. Donc... Là je vais faire un orange. Il va ressortir du bleu. Qui retombe dans le orange. Et sinon, là, je... Ok, je vais essayer un truc. Ok, sauf que c'est pas dans le bon sens. J'espérais que du coup, avec l'angle, que l'angle soit bon et qu'il arrive par là. Peut-être essayer en restant là d'abord. Maintenant, est-ce que de là-bas je vois mieux de toute façon tout ce qui se passe? Donc, là, si je fais orange, il sort du bleu, il rentre dans le orange et il y a de l'élan. Il rentre dans le orange et il y a de l'élan. Donc, est-ce que je fais un bleu là? Le bleu direct en fait. Non. La barrière, elle m'empêche de faire des portails. Et quand je la passe, elle détruit les portails. Jamais resté aussi longtemps sur un niveau. Ah putain, j'y ai cru! J'ai l'impression d'avoir essayé 1000 trucs là. Tac. Là, je l'ai fait ressortir là. Il est quand même tombé dans la flotte, quoi. Ah, est-ce que c'est plus haut, mais c'est plus reculé. Je suis preneur d'idées, hein. Je commence à plus en avoir. Là en plus j'ai l'impression que c'était assez bien exécuté ce que je viens de faire.
Ah, il est tombé genre là, hein. Y a pas moyen, quoi. Merde, le bouton. Ah, je sais. Vous allez voir, ça va être impressionnant. Non, en vrai, j'ai une idée. Là, du coup, au lieu de faire le bleu ici, je vais faire le bleu là. Comme ça, il devrait retomber là. Là, je vais faire un orange là et un bleu là. Donc là, c'est là que je vais faire. Orange, bleu, orange, bleu. Bleu. Ah mais du coup si je le remets là il gagne pas d'élan. Putain même d'ici il tombe dans la flotte. Comment ça se fait que même d'ici il tombe dans la flotte? Je suis pas tout à fait d'accord avec ce... avec ça non. Un bleu ici et que bon il revient là et il n'aura gagné aucun élan je pense, ça servira à rien. Le bouton on a dit. Personne n'a l'idée là. Ça commence à vraiment me rendre ouf ce truc. Pourquoi ça marche pas ce que je voulais faire? Fallait tenter. Est-ce que c'est le moment où je vais chercher la soluce tellement j'en ai marre ou... Ça me ferait chier quand même. Mais là, il... Là, je ne vois vraiment pas. J'ai l'impression d'avoir fait tout mon possible. Est-ce que je regarde un marché à travers? Un Wall Street, comme on dit, dans le milieu. Tac, tac, tac. Je vais réessayer ce truc-là, il me paraissait tellement bien. Il était bien exécuté. Pas mal.
me fatigue ce boulot. Je pense que je vais regarder la Solus. Si quelqu'un peut regarder la Solus pour me donner des indices, ce serait mieux même. Quelqu'un serait prêt à faire ça. Bien, dans ce cas, je vais le faire moi-même. Allez, regardez la Solus. Ça me fait chier, mais bon. À un moment donné. Planté à tout jamais. Putain, le full Wall Street, il dure 1h38 déjà. Attends, on n'a pas fait. Putain, on en est que là déjà. C'est que je m'en souviens plus. Et on l'a fait. Ça en effet. Ouais, ça en effet. Ça j'ai pas vu. Oh sa mère! Ça paraît tellement simple maintenant. Ouais, j'aurais dû. Je pensais vraiment que ce truc-là, il servait à la fin, et du coup, j'avoue que j'ai rien cherché par rapport à ça, et ça paraît tellement évident une fois qu'on a la solution, bien évidemment. Oh putain! Mais c'est ouf en fait, c'est. Enfin, donc j'ai pas trouvé, donc c'est un peu con de dire que c'est simple. Mais c'est beaucoup plus simple que les trucs que j'avais en tête. Juste que j'ai pas pensé au. Enfin, j'ai pas pensé au bon truc.
Je m'attendais à devoir faire des trucs avec du timing et tout alors. C'est joli. Merde, j'ai pas vu ce que ça avait fait. Ah si, ok, ça a désactivé ce truc là. Est-ce qu'il faut que je le rejoigne? Est-ce que je peux sauter par-dessus moi? Le problème c'est que là, dès que je vais enlever ça, ah, le mur réapparaît. Bien évidemment. Ah! Ah oui, mais du coup, j'ai le temps de faire un portail. Genre. Eh, mais là, c'est ça qui est en face normalement ou pas? Non, c'est bon, c'est bien ça. Du coup, on peut se casser. Crash, je suis deck d'avoir. D'avoir eu besoin de la soluce. Descending to exit one of testing track, Virgil. I'll keep trying to take control back. In the meantime, keep going through the testing track. Face. Ok, plus je vais le protéger, est-ce que je veux pas qu'il ait plein de gel dégueulasse dessus? Ça suffit là pour y aller? Oh fuck! Léger moi comme ah. À rater. Ah, ça m'a remis là quand même. Ah, c'est bizarre, quand je suis arrivé mais déjà donné un cube tout fait. Il était orange et tout. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est stylé. Est-ce que je peux mettre du orange ici? Mais si je mets du orange, j'ai plus le bleu.
en plus l'orange est votre nom. Ouais, l'orange est votre nom. Merde, est-ce que j'aurais dû en donner le cube? Y'a pas rien ici. C'est peut-être bien la suite. La sortie a quand même vachement l'air d'être là-bas, quoi. Parce que même si je descends avec mon cube... Ah, ou peut-être que j'essaye de viser la plateforme avec mon cube. Je suis passé à travers, là. J'ai l'impression d'être passé à travers. Waouh! J'ai pas vu ce qui s'était passé. Le cube s'est fait démonter. Je sais pas si je réessaye la plateforme en bas. Apparemment si. Je réessaye. Parce que là, je vois pas trop. Je vais déjà juste retourner en bas pour voir. Ah, ou peut-être de là. Ce serait quand même chelou, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit ça du tout. Est-ce que ça a un intérêt? Ah mais ouais putain. Est-ce que ça faut pas entre guillemets tout simplement que je fasse un petit saut comme ça?
Ça donne envie que ce soit ça quand même, non? Dans le coin, lui. Alors là, ça a tenu. Ça se fait que ça va être mis sur la grille, ça ne devrait pas. Parce que dans ce cas, ça veut dire que je peux peut-être mettre du orange ici. Et si je peux mettre du orange par là-bas, ça me va. Ah, c'est sérieux? Ça, ça devrait marcher, hein. Pourquoi le... Il n'y avait pas assez de gel bleu pour que ça me fasse rebondir? Déception. Aïe, aïe. Déjà là en fait quand on arrive. Ça se tente. Je suis méga convaincu, mais... J'ai perdu tout mon élan. C'est vraiment pas facile. Petit DLC. Un DLC. Peut-être plutôt en bas qu'il faut que je trouve un endroit où... où me propulser. Genre là. Alors, ce qu'il faut, c'est que j'ai un endroit qui aille jusqu'au mur. Ça. Coucou Alta. Comment ça va? Ça, ça peut peut-être le faire. Je vais peut-être essayer avec ça.
Ça va. Je. On arrive sur des énigmes qui sont bien compliquées là. Donc je deviens un petit peu fou. Mais tout à fait normal. Je sais pas écrire espagnol. Je sais pas parler espagnol, donc t'inquiète pas. Il y aura pas de jugement. Du coup. La orange et l'objectif c'est d'arriver à la cassette de vitesse pour rebondir là et atterrir là-bas. Problème étant que. Ah, je pourrais pas emmener le cube. Et pourtant il me faut un cube. My head. Ah si, yes. Du coup le bleu sert à ça. Ok. Et du coup là, on est bon. On arrive donc au moment du jeu. Le cerf dit tiens, c'est ton tour. Quand t'es en galère, c'est ça? Oui! Trouvé! C'est ça.